Donc ça c'est un œuf rose et c'est soit picota, soit nuage qu'il a fait. Et ça c'est un petit œuf vert et c'est kiwi ou ananas qui font les petits œufs verts. Et après la grosse grise Ende Gelände, elle fait des œufs marron, des gros œufs marron. Voilà. Hop. Alors les poules sont ravies parce qu'elles trouvent plein de bonnes choses à picorer dans le compost. Tu veux pas? Non. Ouais, il y a tout rougi en dessous de ton masque. Mmh. Ouais, tu vois, tu rigoles là, en dessous de moi, je te connais par cœur. Non, merci. Du lait sucre, c'est pas bon quand t'es jeune. Faut manger du lait quand t'es jeune. Du lait avec du cacao. Du lait, n'importe quoi. Le miel, c'est pour les abeilles et le lait, c'est pour les veaux. Le miel, c'est bon pour les plaies. Bah moi, je mange plutôt des tartines au Nutella. Voilà, c'est bien ça, voilà. Il y a une bible dessus que c'est mauvais, et l'autre qui met du Nutella, il dit c'est bien, elle est marrant lui. Ça, c'est de l'humour. Voilà. Ah, mon associé, il est là, mon petit associé, il est revenu là. Et il m'a manqué pendant une semaine. Il est revenu trois semaines. T'es parti où? En Grèce. C'est bien passé? Ouais. T'as nagé? Ouais, j'ai même ramassé plein. Mais ça t'a manqué le TEP? Ouais. C'est ce qui m'a manqué le plus. Stol, tu es directeur ou pas? Ouais. Alors, on dirait la TEP. Le TEP, c'est le terrain d'éducation physique. C'est marrant. La TEP, c'est la terre d'éducation physique. La TEP, alors. Voilà. T'es l'associé à qui? À Colette? Ouais. Voilà, c'est bien ça. Et c'est quoi cet engin? Comment ça s'appelle? Un tracteur. Non, c'est un tractopelle, ça, non? Il a répondu. Non, c'est pas un tracteur. Un tracteur, c'est pas ça, un tracteur. C'est un tracteur, ça. C'est un tractopelle. Un tracteur. Regarde, tu l'as vu, la fresque, là-bas, là? Ouais. Va voir la fresque, va voir. Et tu vas me dire si tu le vois, lui, sur la fresque, là-bas. C'est quand même fou quand ils pensent que, je sais pas, il y a peut-être une petite dizaine de personnes, ils ont empêché en fait un projet immobilier de plusieurs millions, parce qu'on parle d'un projet immobilier de plusieurs millions, et que le 8 mai, eh ben, le projet qu'est la TEP, cette utopie qu'est la TEP, va fêter ses 2 ans, alors qu'ils auraient très bien pu envoyer des cartes de CRS un matin et récupérer le terrain. À la TEP, nous avons réussi à réduire le bulldozer des phages à cette petite taille minuscule. Voilà ce qu'est devenu le petit bulldozer. C'est les enfants qui jouent avec maintenant. Ça, c'est le bulldozer des phages conduit par Colette. Mais maintenant, il est minuscule. On a réussi. On a réussi, bravo la TEP. Bravo. Bravo. On le laisse là en admiration pour les enfants. Voilà. Colette. Hey, une petite date. Ah, les Colette, ah, président du DEP, on la représente. Tu vas m'oublier là aujourd'hui, s'il te plaît. Ah. Je suis en train de tirer le tabouret là. Merci. Ah, Colette, t'es perdue. Ok, tu vas nous lâcher les baskets là un peu, s'il te plaît. Merci. Oh, t'inquiète pas, on se fait tous engueuler une fois dans sa vie. Ouais, par Colette, je me fais engueuler minimum 2 fois par semaine par Colette. Ah, oui. Ça veut dire qu'elle t'apprécie. Non, vraiment. Alors moi, faire son nom, je sais pas. Alors on veut pas de Freddy. Pourquoi on en veut pas de ce mec? Tout le monde a envie de le chier là. Et bien moi je ne jetterai pas Freddy. Bah, parce qu'il a des comportements violents, quoi. C'est la violence. Mais arrête. Pourquoi il est violent avec toi? Il n'y a pas que lui, c'est pas lui spécifiquement. Non, mais enfin on n'en veut pas trop. Hein.
Bah, s'il a eu 70 euros dimanche à son anniversaire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qu'on donne et tu m'excuses. Hein. Il est intéressé par... Vous posez quoi comme art martial exactement? Parce que, je suis intéressé par tout ce qui est jiu-jitsu et Viet Bo Dao. Viet Bo Dao? Ouais. Ah, oh, c'est pas ici. Mais tu peux faire avec moi si tu veux tout à l'heure. Mais je sais pas, c'est peut-être complet déjà le cours. Il est complet, je crois, le cours. Hein. Ah, c'est dommage. Pour le premier cours d'aujourd'hui, il faut que je le structure correctement. Il faut que je choisisse un thème, le premier thème. Ça, c'est compliqué à réfléchir, le premier cours. Vraiment, la première approche, qu'est-ce qu'ils doivent voir, les gens, en première approche? Là, tu peux relâcher ton corps, comme si tu... C'est une chute, presque, tu vois. Là, je suis quasiment dedans. Ah, l'autre, là-bas, c'est bon, relax. L'autre. Bon, je te laisse faire un moment que tu connais pas. C'est-à-dire que tu fais comme ça, t'es un peu loin, et là tu peux propulser comme ça, tu vois. C'est comme ça, tu... Ok. C'est ça, nous vendons de l'appel. On a fait de l'appel avec moi l'autre fois. Pousse. Ah, ok. Voilà. Ah, oui. Donc, gauche maintenant, le dernier truc que tu dois avoir, c'est que tu dois partir à l'intérieur. Ne frappe pas ici, ne frappe pas, d'accord? C'est ça. Très bien, suivant. Surtout, il y a un peu de chance. Ah non, la chance que les mêmes lunettes. C'est des quoi d'ailleurs? Le vilain méchant ne vit rien du tout. Pierrot sortit son crayon rose et il fit un énorme trou dans la soucoupe volante pour qu'elle ne vole plus jamais. Puis il courut tellement vite que le vilain méchant n'essaya même pas de le rattraper. Il y a un moustique ? Non. Harold courut encore, au cas où le vilain méchant aurait changé d'avis. Le chemin descendit à pic. Harold courut encore plus vite pour ne pas tomber. S'accrocher aux étoiles, c'était pratique. Enfin, il arriva de l'autre côté, là où il avait posé sa fusée. Mais la fusée, c'est trop dangereux. Harold décida d'être un peu sérieux. Alors il descendit par les étoiles. Au moins, il était sûr d'arriver sans mal. Sauf que les pointes des étoiles, ça pique. Harold rêva d'aller plus vite. Pour réaliser un rêve d'enfant, il faut une grosse étoile filante, forcément. Harold ne laissa pas filer l'étoile filante. Il sauta dessus. Il arriva sur la terre. Quel bonheur! Et il se posa en douceur. J'espère que vous aimez les pommes de terre. Est-ce que votre mission a été remplie? Oui. Ouais. On est dans les temps Il faut accélérer là. Comment? Ça va, on ne sait pas la catastrophe, mais Là, il faut qu'on lance la découpe des... Bah, je crois que sur les pommes de terre, c'est ouais, OK. Les pommes de terre, j'ai l'impression que ça...
Ouais, ouais, il lance la découpe de quoi maintenant? Des. Vas-y, vas-y. Des blettes. Blettes. Et après les brocolis. Ok. Alors, en termes d'organisation de la journée, il faut qu'à 18h tout soit prêt, donc on va speeder. Il y en a 40 repas à faire. Et on a bien sûr, moi qui pensais qu'on était au complet, on n'est pas au complet. Ouais, et on n'est pas au complet, il nous manque deux personnes. On a deux. L'ail, on a une mini endive, on a ça. Je pense que la mini endive, on peut la mettre. Enfin, elle n'est pas si mini, mais moi, pour moi, tout est mini, mais en fait, elle a une taille plutôt normale. Non, on en a deux, regardez. Réunissons cette famille, injustement séparée. On a tout pour le gâteau. Bah, on n'a pas deux, mais je me dis que maintenant. Ah oui, on n'a plus deux, puisque maintenant, elles font la grève. Ah ouais? Ouais, elles couvent. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus deux. Avec les bananes, ça remplace pas. Compote de pommes, sinon. Quand tu es au milieu de la tête, tu es le matin, tu as les poules, tu as l'église qui sonne, tu es assis sur ton banc, tu te dis « Oh là là, est-ce que je suis vraiment en plein milieu de Paris, à 100 mètres d'un boulevard ?» Non, tu pourrais te croire limite à la campagne. Le champ des possibles à la tête, on dirait pas, mais il est infini. Ouais. Non, non, pas prendre en cuisine, ils nous avaient mis. Tu souffleras la fleur, tu devras. Ah non, non, c'est pas Covid, on peut pas souffler sur les gâteaux. Ah, mais c'est pour ça que tu touches là-dessus. Joyeuse. Voilà. Joyeuse anniversaire. Arrêtez vos bêtises là. Tu vas prendre un peu de temps, arrête tes bêtises là. Joyeuse anniversaire. C'est bon, merci. C'est bon, c'est passé inaperçu, c'est bon. Ah merde, t'as été jusqu'à là-bas. On est plus de 6. Faut séparer, on est plus de 6. Vous n'aurez pas tout suivi. Alors j'ai mis du rhum. J'ai mis du rhum dedans, je sais pas ce que ça donne. On m'a fermé, s'il vous plaît, bon dimanche. Excuse-moi, on m'a fermé. Gane. Que sana al balé, gane, vaya.
Gagne, gagne, gagne.